voici la caméra. Est-ce que répète donc à mon audition ce que tu es en train de me dire en off. Devant la caméra. Parce qu'il faudrait que ton expérience serve d'exemple et que ça mette à nu toutes les personnes qui veulent manipuler la jeunesse africaine. Dis. Non, bon. Devant la caméra, monsieur. Non, vas-y, parle, mon frère. C'est pour le bien de la jeunesse africaine. Dis. En fait, j'ai fabriqué le faux billet. J'ai fabriqué le faux billet pour certaines personnes. Non, ouais, ne dis pas que certaines personnes. Faut dire les noms. Yaya Vicenzo. Yaya Vicenzo. Shane Brydon. Shane Brydon. Mais ce n'était pas de ma faute, mon fils. C'était quoi? Les gars là m'avaient choqué en route. Ils m'ont donné un truc. C'était quoi? Mon pétangoy. Mon pétang. Les corps, mon pétangoy. Je te dis la vérité, le truc là, même jusqu'à présent, je ne suis pas conscient de ce que je dis là. Mon pétangoy. Oui. Ah, viens, viens. Viens. À tous mes frères de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Mali, du Cameroun, du Tchad, bref, à tous les jeunes Africains. Ne vous laissez pas influencer par les mauvais exemples. À l'instar de Shane Brydon et de Yaya Vicenzo. Un pas, un billet charismatique. Un pas, un billet. Parce que Yaya Vicenzo et Shane Brydon sont des vendeurs de rêves. Yaya Vicenzo d'abord a un problème, c'est qu'il est chauve. Il n'a pas d'argent pour s'acheter des perruques. Yaya Vicenzo a pris un jeune Camerounais qui l'a envoûté avec une écorce qu'on appelle Mopetangoy pour lui fabriquer des faux billets. Et jusqu'ici, cet enfant fait la prison 3 fois en 1 an à cause de Yaya Vicenzo. Yaya Vicenzo qui est en train de marcher pour venir au Cameroun, arrivé en route, il a rencontré une femme et il croit que c'est une femme. Ce n'est pas une femme, Yaya Vicenzo. Va avec elle dans la chambre, tu vas savoir que ce n'est pas une femme. C'est un homme que tu as rencontré. Et je vais te dire, Yaya Vicenzo, tu as dit sur ta vidéo que j'ai des faiblesses sexuelles. Yaya Vicenzo, si vraiment tu avais des performances sexuelles normales, c'est que ta femme ne serait pas en train de dormir avec ton producteur. Parce qu'à ton âge, je crois qu'il y a des hommes qui ont des enfants. Mais toi, au lieu de faire des enfants, tu fais des totems. Comme ta fille qui lave l'ordinateur avec l'eau de la piscine. Oh, il est puissant. Jésus, il est puissant. Il est puissant, il est puissant, il est puissant. Il est puissant, il est puissant. Il n'était pas pressé, c'est. Jésus a opéré des miracles. Oh, il opère, il opérera. Ma famille, il opère. C'est pas normal, Yaya Vicenzo. Tu veux me parler, moi, à moi, mon style charismatique? Regarde mon charisme. Regarde mes cheveux. Yaya Vicenzo, tu es chaud. Le seul endroit où tu as les cheveux, c'est dans ta tête. Parce que tu es fou, Yaya Vicenzo. Et comme je suis en train de te parler, je suis en train d'arriver au Gabon. Et si Shane Brydon est un homme, montrez-moi les biens et on va authentifier ça. J'arrive au Gabon.